Bien, bonjour à tous et merci pour ces mots d'accueil. Alors, pour explorer ensemble le futur de l'hydrogène et la ruée vers l'éco-aviation, je vous propose de l'aborder à travers le prisme d'un jumelage. Rappelez d'abord l'ouverture de la ville avec des échanges et des réseaux européens, avec sur cette slide le nom de plusieurs villes jumelées à Redon. Mais le territoire est aussi une plateforme d'innovation à travers le rôle historique qui a été joué comme carrefour de voies navigables. Ce qui offre une ouverture intéressante pour le sujet d'aujourd'hui. Je voudrais rappeler que la haute technologie navale a énormément nourri d'innovations dans le domaine aéronautique. Et les temps pionniers de l'aviation sont nés dans des hangars à bateaux, avec les premiers hydravions en bois et en tissu. Et c'est véritablement ce croisement qui est extrêmement intéressant pour croiser des filières du territoire, ici à Redon, en étant au carrefour de deux régions, la Bretagne et les Pays de la Loire. Et c'est ce bouillonnement entre les acteurs qui peut être extrêmement positif. Alors, commençons ce sujet sur les mobilités du futur par un détour historique. Le pays de Redon a été le laboratoire du commerce, le laboratoire des échanges fluvio-maritimes, avec cette position de carrefour des voies navigables qui a attiré des armateurs, des corsaires, et qui a fait la prospérité de grands chantiers navals. Alors, il y a des images d'archives qui rappellent ce passé fluvio-maritime prestigieux, et on l'a peut-être un peu oublié, mais le nom de plusieurs quais le rappelle. Redon a été aussi le point de ralliement de corsaires, dont beaucoup ont reconverti des activités, et la guerre de course, qui était finalement assez intermittente, va aussi beaucoup pousser des réseaux corsaires à expérimenter un peu des filières d'économie circulaire et de reconversion des navires. Alors, le pays de Redon a su s'adapter, il a aussi su faire grandir l'innovation face à des aléas. Ces aléas, ce sont les crues, et donc la Venise de l'Ouest a su s'adapter et surtout innover. Alors, le sujet d'aujourd'hui est intéressant. Je voudrais rappeler que le terme hydrogène vient du grec ancien, à travers le terme hydro, qui veut dire eau, et le suffixe gène, qui forme, qui génère et qui engendre. Alors, il y a eu de nombreuses tentatives de sauts technologiques pour capter la recherche de nouvelles énergies. Et depuis 1926, une grande exposition nationale a positionné
les avancées de ce qu'on appelait la fée électricité, avec tous les apports et les innovations pour le travail à la campagne. Alors aujourd'hui, l'hydrogène est fortement stimulé, il est encouragé par les pouvoirs publics, c'est une priorité de la Commission européenne à travers ce qu'on appelle le Green Deal. Il y a aussi régionalement deux régions qui veulent être des locomotives. Il y a à la fois un plan hydrogène qui est porté par la région Bretagne. Vous voyez ici sur cette carte la diversité des acteurs. Et il y a aussi un plan hydrogène porté par la région. La région des Pays de la Loire. Alors, avant d'explorer l'hydrogène vert et comment l'ouverture des voies navigables du pays de Redon a lui aussi finalement ouvert des formes de transfert. Le pays de Redon a aussi beaucoup exporté des marrons et des châtaignes vers l'Angleterre. Et il y a eu également pour le territoire des moments difficiles à tracer qui étaient des périodes de blocus avec nos voisins britanniques. Et Redon, situé sur l'axe du canal de Nantes à Brest, a aussi beaucoup inspiré d'autres territoires, et notamment à Nantes où va se développer une activité de raffinage du sucre. Et c'est cette période de crise, de blocage de voies maritimes qui va pousser les hommes à être innovants. Il y a aujourd'hui un pays en Amérique centrale qui est le Belize et qui est très en pointe sur le rôle des biocarburants et qui a lancé un projet qui s'appelle Smart Sugarcane Belize et qui utilise des technologies blockchain. Alors, est-ce que les marrons et les châtaignes de Redon seront un jour les acteurs des biocarburants? L'avenir nous le dira. Mais ce contexte historique est en tous les cas un terreau extrêmement porteur pour réfléchir au rôle demain du pays de Redon comme Venise de l'hydrogène et des taxis volants, en interrogeant à la fois le rôle de plusieurs entités. Est-ce que l'aérodrome peut devenir une sorte d'éco-airport européen? Quel peut être également le rôle des voies navigables? Et peut-être plus largement, interroger l'approche novatrice que pourrait jouer Vélo Odyssée. Alors, pour rentrer ensemble dans ce sujet, je vous propose trois questions. D'abord, ces liens, quelles relations croisées ont pu exister entre l'aviation, l'hydrogène, l'éco-aviation? Quelles dynamiques collaboratives ont pu émerger sur le territoire? Et enfin, quels enseignements en tirer pour demain? Alors, pour explorer ce sujet, il faut tout simplement revenir sur l'histoire des pionniers de l'aviation, et notamment d'une grande figure qui a été le premier président de l'aéroclub, c'est Marcel Guercia, qui remonte à une famille de bijoutiers horlogers italiens. Son père, Janvier Guercia, était orfèvre. Et bien entendu, Marcel Guercia est un personnage connu du territoire à travers une grande entreprise qui a marqué le bassin d'activité qui s'appelle Flaminaire. Alors, on peut retrouver beaucoup de choses sur les traces de cette famille, notamment au sud de l'Italie, dont ils sont originaires, dans la région de Caserte, que vous avez ici en photo. Caserte, c'est le Versailles italien, d'où peut-être l'intuition pour les Lumières
et ces fameux briquets qui naîtront dans le pays de Redon. Mais il y a aussi des grands musées européens qui valorisent la mémoire et le grand passé de cette famille. C'est notamment le British Museum qui a des éléments extrêmement intéressants sur le père de Marcel Kersia. Alors, l'idée, se projette aussi en Italie de réfléchir à l'avenir de l'hydrogène et de réfléchir aussi à l'arrivée de taxis volants. Vous avez ici l'exemple d'un projet de Vertiport qui a vocation à accueillir des véhicules nomades en vol libre. Ce projet est porté par un acteur chinois qui s'appelle Yiwang, qui a également signé un partenariat avec la ville de Lyon pour développer des recherches sur l'émergence d'un taxi autonome. Et donc, ce partenariat chinois-italien explore le rôle d'un vertiport qui serait une structure d'accueil de véhicules nomades en vol libre. Je vous ai mis sur cette slide le nom de la structure italienne, cette agence de design qui porte notamment le sujet avec son partenaire chinois. Je veux aussi signaler l'existence d'un ouvrage qui s'appelle L'Hermine et le Lotus et qui pourrait peut-être inspirer la relation triangulaire que le pays de Redon pourrait pourquoi pas développer avec des partenaires italiens et chinois. Alors ici à l'écran, vous avez Flaminaire qui a apporté beaucoup d'innovations sur le territoire du pays de Redon. Vous rappelez qu'effectivement, Marcel Kersia est tout simplement l'inventeur du premier briquet à gaz créé au monde. Et finalement, nous allons explorer ensemble comment ce grand passé précurseur, ce terreau d'innovation, pourrait fortement inspirer l'hydrogène et la ruée vers l'éco-aviation. Alors, le pays de Redon, je vous l'indiquais en introduction, a été un carrefour de deux régions où se sont aussi beaucoup entraînés des pionniers de l'aviation. Je voudrais vous rappeler le nom de quelques-uns. Il y a dans la région nantaise notamment Alexis Manérol. Je voudrais aussi peut-être mentionner le plus connu, c'est Roland Garros qui a passé son brevet de pilote le 19 janvier 1910 à l'aéroport de Cholet. Il y a bien sûr Antoine de Saint-Exupéry qui a passé une enfance dans la Sarthe, au Mans. Et enfin, le comte de Lambert qui fut le premier à survoler la tour Eiffel en avion. Et puis autour de ça, ce sont d'autres défis techniques qui ont animé d'autres territoires. Je pense à Marcel Brault, le fondateur de Manitou, à Ancenis, celui qui Manitou et qui a développé une entreprise extrêmement prospère de chariots élévateurs. Alors, dans d'autres territoires, en creusant un peu, il y a eu des événements étonnants qui ont aussi permis des alchimies assez inédites. Il y a un événement en particulier qu'on appelle le Noël de la fabrique de parachutes. Il s'agit d'une société qui s'appelle Aviorex et qui a recruté de nombreuses femmes ouvrières en pleine crise du textile. Et lors d'un Noël, des chutes de tissu pour fabriquer des parachutes vont être réutilisées. Et progressivement, on va se rendre compte qu'on peut y développer de nouveaux usages, et notamment des ballons en hélium. Alors ce sera une micro-révolution dans le domaine de la filature, car on réalise qu'il est possible de transporter du gaz. Ce qui fait le lien avec le tempérament pionnier de Marcel Kersia dans le pays de Redon avec les fameux briquets à gaz. Et c'est peut-être là que finalement une prise de conscience exceptionnelle
va se faire et va pousser à germer énormément d'innovations. Alors aujourd'hui, vous avez aussi des start-up qui se sont appropriées le sujet. Il y a notamment cet exemple de start-up espagnole qui entend proposer des voyages spatiaux en ballon d'hélium. Mais en nous rapprochant aussi de notre territoire, finalement, sur l'hydrogène, le pays de Redon a peut-être deux concurrents. C'est à la fois un pôle nazérien, avec le bassin industriel de Nantes-Saint-Nazaire, mais aussi le port de Lorient. Et il y a eu, dans les années 60, expérimenté, grâce à Air Liquide, dans le bassin industriel de Nantes-Saint-Nazaire, des bus expérimentaux qui fonctionnaient déjà avec des gaz liquéfiés. Je pense que ce travail aussi de veille est important pour bien montrer quelles sont les singularités que le pays de Redon peut développer et quelles sont justement les formes de valeur ajoutée qui pourraient aider le territoire à se différencier. Alors, il y a du côté aussi de Saint-Nazaire d'autres pistes futuristes qui ont été explorées, comme l'optimisation des transports de méthane en chargeant les méthaniers vides sur le chemin du retour en CO2 pour produire dans les zones exportatrices, notamment le Qatar, qui est un grand exportateur de gaz naturel liquéfié, transporter des agrocarburants de troisième génération type microalgues. Et puis, une relation aussi qui se développe, c'est une relation avec le monde de l'exploration spatiale, puisqu'il existe un gaz extrêmement léger dans l'univers qui est l'hélium et qui, lui aussi, a intéressé des acteurs gaziers. Alors aujourd'hui, tous les pays du monde peuvent fabriquer des gaz liquéfiés et certainement que le pays de Redon pourrait jouer un rôle extrêmement précurseur dans le sillage des innovations du tissu industriel que Marcel Kersia a développé autour de la société Flaminaire. Je crois que le débat qu'on a aujourd'hui sur la prise de conscience de l'hydrogène, c'est qu'effectivement, pour rendre cet hydrogène accessible, il est extrêmement important de réfléchir à un modèle qui permette à la fois de cristalliser des dynamiques d'innovation peu coûteuses et de le rendre accessible au plus grand nombre. Et c'est peut-être le défi aujourd'hui. L'hydrogène est très cher et finalement, il va falloir sans doute, dans le pays de Redon, trouver des innovations, trouver des formes qui permettent de catalyser des dynamiques collaboratives peu coûteuses. Et ça, c'est l'un des défis aujourd'hui que nous vous proposons d'avoir à travers ce débat, un débat que nous vous proposons d'ouvrir sur l'éco-aviation, ce nouveau modèle de mobilité qui pourrait s'appuyer sur le pétrole du territoire, à savoir l'hydrogène. Alors, beaucoup d'entreprises émergent aujourd'hui avec des solutions, des technologies qui évoluent en permanence et qui pourrait rendre tangible l'idée d'emprunter des taxis volants. C'est le terme qui a été retenu pour cette conférence débat. Alors, sur la thématique des taxis volants, il y a bien sûr un projet phare, qui est celui d'Airbus, en partenariat avec Volkswagen et un designer italien. Ce projet s'appelle Pop-Up. C'est un prototype de capsule volante dont la structure en carbone est conçue et réalisée à Bouguenay. Il y a une centaine de projets similaires dans le monde et Airbus, comme d'autres acteurs, ne veulent surtout pas rater le coche. Alors, le projet Pop-Up d'Airbus a été le plus médiatisé en France depuis 2017 à la suite du salon de l'automobile. Il y a aussi la collaboration entre Porsche et Boeing sur des voitures volantes électriques. Et puis, notez également la mise en relation de la NASA avec Uber, qui souhaite également mettre en place un système qui s'appelle
Urban Air Mobility. Alors, d'autres exemples existent. Je vous ai parlé de ce projet chinois qui s'appelle Yiwang 184, mais d'autres exemples florissent aussi à Dubaï et dans d'autres capitales du Golfe Persique. Alors, l'hydrogène apporte justement un élément intéressant. Le meilleur moyen de sortir l'aéronautique de cette crise, c'est d'investir, c'est d'innover et précisément d'inventer l'avion qui pourrait être cet avion zéro émission d'ici 2035. C'est le message de l'actuel ministre des Transports sur son compte Twitter. Alors, des progrès sont attendus. Et pour surtout encourager, je pense, le décloisonnement des initiatives, nous avons invité un intervenant nord-américain qui, de New York, va vous présenter une solution extrêmement innovante qui entend développer, dans un premier temps, des vélos volants et, dans un second temps, ouvrir un projet beaucoup plus ambitieux de taxi volant avec les acteurs du territoire. Il va s'exprimer aujourd'hui en anglais. Je voudrais le remercier de sa participation. Il va présenter avec 4 slides son projet qu'il a breveté. Vous parlez aussi un peu de son parcours d'ingénieur qui l'a amené à voyager et à voir de nombreux territoires qui sont pionniers dans ce domaine. Et il sera à la fin de la présentation disponible pour répondre à vos questions. Sa présentation est en anglais, mais s'il y a des problèmes de compréhension, je serai là pour traduire. Je vais laisser la parole à Ali Salem. Ali, the floor is yours. Thank you so much, Kevin. Hi, everybody. My name is Ali. I'm co-founder and visionary inventor of FlyUPAV. We are based in New York City. I've been in connection with Kevin for the past couple of years, and thank you so much for joining us today. So, as far as I know, urban air mobility is a very hot topic in the next decade. Actually, there are many competitors in North America are entering this industry, and their innovations are mostly around air taxis right now. So there are a couple of problems with this concept right now. So basically, they're all designed to land on helipads or skyports. So cities like, for example, New York City are not really ready for those lack of infrastructure to accept those vehicles that can land on roof of the buildings or helipads. The lack of number of helipads and skyports is a major problem right now. And another problem with that, so when you're talking about flying car, you need to recognize the car that can fly. But most of those inventions or competitors are around flying vehicles. They're really not a car. So can you go to next slide, Kevin? Sure. So what is FlyUPAV's invention? Is a hybrid driving and flying vehicle. So you can take off and land anywhere, anytime, and it can be operated manually or autonomous. And you don't need to get a pilot license. So basically with a driving license, you can fly actually and drive. And you can, because it's so compact, you can park in your garage, you can take off from your backyard, or you can land from there. So it's very user-friendly as far as I know from other competitors. So if you go to next slide. Yeah, those are competitors right now. Ehang that Kevin mentioned in past slides, they are basically flying vehicles. They are not really a flying car. So, or another European competitor, there are Volvo from Germany and the other from, from East Europe. They're also working on flying cars, but you see that
have a fixed wing that attached to a car platform. So the wings need to be expanded across the car so it can take off and landing. So basically they need to take off and landing from empty streets that's not feasible in urban places like, for example, New York City, or they have large or wide span blades, so it's really not comfortable to land on many spaces like, again, the streets or backyards. And other issues with those designs, so just resulted in our invention, that is a manual self-driving and also autonomous flying vehicle, that is flying path. Kevin, next slide, please. Yeah, so what's the vision for this new innovation? So it can, the target payload is adult human. So for example, the maximum 125 kilogram or 250 pound, and endurance is 60 minutes. So we can extend the endurance by using hydrogen technology or fuel cell batteries, but that's an optional. So really we can go with fully electric or fuel cell or hydrogen. That works. We can, the numbers are changing based on the energy source that we use. The target range is 60 miles or flight or 120 miles for continuous driving, and has different different application like flying taxi, patrol car, or ambulance or firefighter. Those missions are possible and is well can be done using this vehicle. Kevin, yeah, I think pretty much we wrap up my presentation. But if you have any question, I'll be happy to answer at the end. Thank you so much. Bien, merci beaucoup pour cette intervention. Nous allons continuer le déroulé. Et pour conclure à la fin, si vous avez des questions à poser à ce porteur de projet innovant nord-américain, vous êtes les bienvenus. Alors, il a parlé de mobilité du futur, de nouvelles mobilités de demain. Pour cette conférence, a été aussi choisi d'utiliser l'expression « taxi volant ». C'est peut-être aussi pour réfléchir comment le territoire pourrait ouvrir une brèche. Libéraliser les taxis a été une sphère d'innovation dans la gouvernance publique. C'est une activité réglementée qui est très encadrée juridiquement. Elle procure le bénéfice d'une ADS, une autorisation de stationnement sur la voie publique, et nécessite la détention d'une carte professionnelle de conducteur de taxi pour exercer ce métier. Alors, il y a eu en 2007 une tentative de bouleverser le champ d'exercice de cette activité qui faisait suite notamment aux travaux de la commission Attali. Il est toujours possible aujourd'hui d'accéder à ce rapport qui s'intitulait « 300 décisions pour changer la France ». Alors, ce rapport Attali avait jeté un peu un pavé dans la mare dans le domaine de la réglementation des taxis en voulant faire sauter à la fois l'humerus clausus et mettre beaucoup d'innovations en matière de mobilité. Donc, vous pouvez l'imaginer, ce rapport a suscité beaucoup d'opposition et beaucoup de mesures n'ont pas été jusqu'au bout. Et toujours est-il que c'est peut-être un cadre de réflexion qui pourrait être extrêmement utile pour le pays de Redon et pour les innovations aujourd'hui à développer dans le domaine de l'hydrogène et de l'éco-aviation. Il y a eu aussi une brèche qui a été encouragée en 2006, c'est la directive service, qui a voulu libéraliser l'offre de transport à la demande. Il est vrai que quand on en fait le bilan aujourd'hui, la déclinaison qui s'est faite est assez imparfaite, mais peut-être que ça offre des potentialités importantes pour la prospective du territoire, pour réfléchir comment le pays de Redon pourrait être un laboratoire et réactiver de nombreux projets. Il y a bien sûr beaucoup d'appels à projets aussi lancés pour réenchanter des espaces de stationnement. C'est peut-être l'occasion aussi de redonner vie à des friches industrielles, à de nombreux également d'anciens chantiers,
qui pourraient être aussi des lieux d'expérimentation, des tiers-lieux maritimes. C'est la ville de Lorient, à ce titre, qui porte un projet important de tiers-lieux maritimes pour relier justement la richesse de, des activités qui étaient tournées vers la mer. Peut-être que cette Venise de l'hydrogène dans le pays de Redon pourrait être finalement l'animateur d'activités, de nouvelles activités fluvio-maritimes en y associant l'hydrogène et l'éco-aviation. Ce qui est l'une des problématiques qu'il faut aussi souligner dans ce débat, c'est bien entendu l'accès à des financements innovants. Et là, il y a toujours un peu un trou dans la raquette parce que les investisseurs sont souvent extrêmement frileux lorsqu'il s'agit de percer comme ça de nouveaux projets précurseurs. Et je pense qu'à la fois à travers le sillage de Marcel Kersia, le premier président de l'Aéroclub, il y a un ADN extrêmement fort pour mettre en valeur, pousser l'énergie entreprendre et la prise de risque. Je voudrais également souligner des travaux extrêmement intéressants de prospective qui ont été notamment développés par un ami de Redon qui est Alain Madelin et qui, lui, a beaucoup regardé les différents modèles d'efficacité énergétique et comment justement trouver des coalitions créatives d'acteurs, imaginer de nouveaux véhicules d'investissement. Et l'un des grands défis, peut-être, pour construire cette Venise de l'hydrogène, c'est de trouver justement des investisseurs, de trouver des acteurs du territoire qui acceptent de travailler ensemble et qui soient peut-être en capacité de témoigner de la valeur sûre des économies d'énergie réalisées et surtout du bilan en matière d'efficacité énergétique qui pourrait justement inspirer des acteurs de la green finance. Alors Alain Madelin, vous pouvez retrouver beaucoup de travaux qui ont été explorés grâce à son esprit de boîte à idées et le travail encore extrêmement actif de réflexion et d'écriture qu'il engage toujours aujourd'hui. Il avait notamment beaucoup regardé le fonctionnement de sociétés de services énergétiques qui se rémunèrent sur l'économie réalisée de, et peut-être que l'hydrogène pourrait justement être une voie à tracer là-dessus. C'est peut-être aussi un débat transatlantique, d'où l'ouverture avec cet intervenant nord-américain, vous dire qu'il y a aussi plusieurs États aux États-Unis qui portent des politiques publiques extrêmement ambitieuses dans ce domaine. Je voudrais signaler un site internet, si vous souhaitez découvrir plus en détail de nouvelles dynamiques d'innovation qui pourraient justement se développer avec des acteurs du territoire du pays de Redon. Vous avez les références ici. L'ensemble des planches de cette conférence seront mis à la disposition de l'ensemble des participants si vous souhaitez vous faire une religion sur le sujet. La conférence est également enregistrée et elle sera aussi restituée en ligne, en vidéo. Il y a une bulle de discussion si vous souhaitez prendre la parole, poser des questions. Le format de cette conférence était relativement court, 40 minutes, mais si vous avez des réactions, des impressions, n'hésitez pas, la parole est à vous et je ferai la traduction si vous souhaitez aussi poser des questions à notre intervenant nord-américain. Merci à vous. Vous avez une bulle de discussion dans laquelle vous pouvez également faire part de vos commentaires, vos réactions si vous avez des remarques. Il suffit de cliquer sur l'onglet « Discussion ». Oui, allô ? Oui, bonjour. Allez-y. Bonjour, Marc Derval. Je voulais d'abord vous féliciter de tout ce que, enfin, des documents que vous présentez quand même. Il y a quand même une recherche relativement importante qui est à noter. Et également, Ali, sa présentation était très bien.
Un tout petit point, je pense qu'aujourd'hui, l'aéronautique a tellement de règles que ça ne peut pas devenir extrêmement populaire. Puisqu'en fait, il faut un pilote, il faut déclarer son vol, il y a des règles aéronautiques. Donc, je dirais que l'expansion n'est pas aussi facile que ça à réaliser. Oui. Également, pour que ça devienne populaire, c'est les coûts. Donc, il y a le coût également de cette nouvelle technologie qui est tant qu'elle ne se répandra pas à grande échelle, coûtera relativement cher. Donc, ça veut dire que les places des personnes qui seront, parce que là, aujourd'hui, on réfléchit plutôt sur les aéroports, les navettes entre aéroports, hein, et la ville de Paris. Donc, on voit bien qu'il peut y avoir une densité de personnes intéressées par ce mode de transport. Quand on arrive sur des villes moyennes, déjà, ça devient un petit peu plus difficile parce qu'on n'a pas le potentiel pour utiliser. Si après, on parle en termes de tourisme, je pense que en fait, c'est les coûts qui font que s'intéressent les gens si les coûts sont relativement intéressants. Donc, je pense que c'est une technologie au départ, tant qu'on n'a pas mis le pied à l'étrier, va prendre un petit peu de temps à se répandre parce qu'en fait, on n'aura pas assez de volume pour faire diminuer les prix. Merci à vous.